Voilà, nous c'est les terminales du groupe aumônerie Jeanne d'Arc. Ah, oui, Jeanne d'Arc c'est notre bahut à Mulhouse. Peut-être que vous nous connaissez, ou peut-être pas du tout, ou peut-être vite fait. En tout cas, nous, ça fait 5 ans qu'on est là, et des choses on en a faites. Il y a d'abord eu la journée des talents avec l'association Domaine Nature. Vous savez, Jim et Jackie, ceux qui se battent pour faire disparaître la barrière valide handicapée. À cette occasion, on chante, on joue, on danse, on défile, on se surpasse pour une cause qui nous touche beaucoup. Des temps forts à l'école, il y en a eu pas mal. Pour Noël, par exemple, des boîtes à chaussures qui devenaient de vrais cadeaux remplis de trucs utiles qu'on distribuait ensuite à des associations de la ville, comme les Restos du Cœur, ou bien l'Armée du Salut, ou bien Caritas. Et on a même créé un groupe de gospel et un orchestre. Bon, on va pas vous mentir, on se sentait bien ensemble. Et on en a profité pour s'organiser des soirées, des week-ends. On a pu parler, rire, discuter, chanter, manger, danser, réfléchir et échanger. Et vous voulez savoir la suite? Au fil des mois, on est devenu une vraie famille. Et il y en a même qui sont mariés. On nous a rassemblés, encouragés à faire plus. Et aujourd'hui, on veut aboutir à quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand pour clôturer notre dernière année. Notre destination, la Roumanie, au sein de l'association Frères Europa. Notre objectif, aller à la rencontre de jeunes en difficulté et en réinsertion qui ont eu un parcours difficile. Ce qu'on veut, nous, c'est les rencontrer dans leur quotidien, leur proposer des activités, des animations. En fait, passer du temps avec eux, quoi. On a décidé de partager ce voyage avec Jim et Jackie de l'association Domaine Nature pour découvrir l'autre. Bon, on a décidé d'y aller en février. Vous avez bien compris qu'on n'y va pas pour la température, hein. Bon, fini de plaisanter. Notre défi, c'est lever des dons pour les deux associations partenaires. D'abord pour Domaine Nature, pour financer une cuisine accessible aux personnes invalides, mais aussi Frères Europa, pour financer un convoi avec des choses bien utiles pour eux, par exemple des meubles ou des habits. Bon, voilà, vous l'avez compris, on compte sur vous pour nous aider. En tout cas, nous, on y croit!